Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo construction un peu spéciale. Spéciale dans la conception de la vidéo, puisque comme vous pouvez le voir actuellement, je me suis essayée au stop motion. Bon, alors, je peux vous dire que déjà c'est très compliqué et c'est long à faire. Et je n'ai vraiment pas excellé en la matière, puisque je me suis rendu compte que je l'avais pas vraiment fait dans l'art comme on peut voir sur d'autres chaînes. Et comme c'était déjà fait tourner, je me suis dit bon bah tant pis, je ne recommencerai pas, mais je saurais peut-être refaire correctement. Éventuellement une suite, une prochaine fois, si je voudrais refaire une stop motion, mais ce sera plus des petites maisons, parce que je me vois pas faire une énorme villa ou un château en stop motion. Non, là par contre ce serait complexe. Et cette vidéo est aussi originale puisque la forme de la maison est complètement nouvelle, puisque je me suis dit hey, mais pourquoi pas faire une maison en forme d'abeille. Voilà. Parce que j'avais commencé à griffonner en fait une forme d'abeille sur un papier quadrillé et je me suis dit mince, mais on pourrait faire une maison dans une forme d'abeille comme ça. Et je me suis laissée... j'ai testé et puis je me suis dit mince, ça rend trop bien. Par contre effectivement c'est une toute petite maison. Mais... elle est originale, elle est sympa, ça change vachement de ce qu'on peut voir. Et puis je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va tester entre la maison abeille et le stop motion, on y va à fond. Donc voilà cette vidéo. On attaque les ailes, j'ai pas voulu faire trop quelque chose de compliqué. À la base, je m'étais dit, tiens, je ferai une terrasse en dessous, mais comme il y a les espèces de murs, pattes, eh bien non, finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis bon, bah, ça reste dans le concept un peu original. Les petits yeux à l'avant pour qu'elle puisse voir où elle va, cette petite abeille, quand même, ce serait dommage. On commence à installer les fenêtres, les portes. Bien sûr, ce qu'il faut y voir à l'intérieur, ça reste quand même une maison où on peut vivre et on peut s'épanouir. Bon, alors c'est du maximum de Sims, hein. Donc, faudrait pas vraiment faire emménager une énorme famille là-dedans. Et on passe à l'intérieur et dans la tête de cette maison abeille, j'ai voulu y mettre la salle d'eau. Du coup, il y a tout le confort, douche, toilette et magnifique lavabo. Puis, dans le corps, on installe rapidement la cuisine. Alors, bien sûr, vous imaginez que l'intérieur d'une maison abeille, tout est couleur des abeilles. Donc, on est vachement dans le jaune, dans le noir. Et, bien sûr, un peu de blanc pour calmer un peu tout ça. Et dans le corps, eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons deux espaces, du moins plutôt trois espaces, puisqu'il y a l'espace pour manger avec une table haute, un espace fauteuil salon avec la télé, un petit espace encore pour bouquiner, et l'espace chambre qui est encore à l'intérieur de la maison en fait, qui est juste séparé d'un mur, mais que je trouvais, c'est un peu comme un petit cocon en fait. Évidemment, dans le jardin, je ne me voyais pas ne pas ajouter des ruches pour la maison abeille. Et le jardin va se parer de petites fleurs de fleurs. Bah pourquoi pas? Il faut bien qu'elle aille butiner cette abeille quand même, non? En plus, avec le retour du beau temps, du printemps, tout ça, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite de faire cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous fera plaisir, qu'elle vous fera sourire aussi également. Et à l'arrière, je n'ai pas clôturé le jardin, mais j'ai fait des petites fleurs encore et j'ai installé une fontaine, histoire d'occuper un peu l'espace et qu'il y ait un endroit un peu cosy, un peu sympathique, avec un petit banc, pour qu'on puisse s'y asseoir et profiter. Voilà, je vais vous laisser du coup avec cette visite de la maison la maison abeille, en espérant que tout ça vous aura plu. Elle sera disponible dans la galerie incessamment sous peu, sous le nom Agent Shirley. Peut-être que je continuerai mon petit délire de faire des maisons en forme d'animaux, parce que je me suis dit que ce serait plutôt pas mal d'y penser. Peut-être, qui sait, la prochaine fois, je la ferai en forme d'ornithorynque, on ne sait pas. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, à partager la vidéo ou la chaîne pour me faire connaître, à regarder des pubs sur YouTube pour me soutenir gratuitement. Et je vous fais des gros bisous, à très bientôt, ciao.